Voici derrière moi la photo d'une maison dans laquelle j'ai travaillé de très nombreuses années. C'est un sous-marin nucléaire, lanceur d'engins, un SNLE, c'est-à-dire un sous-marin de la dissuasion nucléaire. Dissuader, cela veut dire empêcher quelqu'un d'accomplir un acte en le persuadant que les coûts de son entreprise sont largement supérieurs aux bénéfices qu'il escompte en tirer. Avec une arme nucléaire, les coûts sont totalement exorbitants. Je ne vous cache pas que si je n'avais pas répondu personnellement et de manière positive à un certain nombre de questions, notamment d'ordre éthique, je n'aurais pas exercé le commandement d'un tel bâtiment. Mais alors, me direz-vous, qu'est-ce qui a bien pu vous prendre pour exercer un tel métier? Un métier que certains pourraient qualifier de fou, de dangereux, voire d'inutile. Eh bien, outre le plaisir d'exercer le métier de sous-marinier, c'est précisément l'idée selon laquelle les bénéfices de l'arme nucléaire sont supérieurs aux risques qui découlent de son existence. La dissuasion nucléaire est un outil au service de la paix. Souvenons-nous, 65 ans d'absence de conflit entre grandes puissances, voilà un fait totalement inédit dans l'histoire des relations internationales. Examinons les bénéfices. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas spécialement plus dangereux qu'au temps de la guerre froide. Il est probablement plus imprévisible, plus instable. Les questions de sécurité ont été marquées par la mondialisation, ses aspects positifs, avec la diminution constatée d'un certain nombre de conflits armés sur la planète, et notamment en Europe et en Afrique, mais aussi, enfin, ses revers, avec l'apparition de tensions économiques et sociales, l'apparition de tensions pour l'accès à l'énergie, aux matières premières stratégiques, aux ressources naturelles, avec le développement d'un certain nombre de réseaux douteux susceptibles de favoriser l'acquisition d'armes prohibées. S'agissant de l'arme nucléaire, la situation est la suivante. Les quatre autres grandes puissances que la France, reconnues comme État doté d'armes nucléaires par le traité de non-prolifération, TNP, qui est la clé de voûte de la non-prolifération sous l'égide de l'ONU, c'est-à-dire les États-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne, eh bien, ces pays n'ont pas du tout l'intention de désarmer et ils modernisent plutôt leur arsenal. Vous avez des pays qui n'ont pas signé le TNP et qui ont acquis l'arme nucléaire, l'Inde, le Pakistan, Israël. Vous avez enfin des pays qui ont signé le traité, mais qui n'ont pas du tout l'intention d'honorer leur signature et qui envisagent, enfin qui souhaitent acquérir l'arme nucléaire. Et tout le monde pense à la Corée du Nord, mais à l'Iran surtout. Alors, un des phénomènes les plus marquants de ces dernières années, c'est le développement ou l'augmentation de la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, notamment balistiques. Alors face à tout cela, la France, qui entend garder sa liberté d'action, entend aussi asseoir sa sécurité ultime, hein, son assurance vie, sur l'arme nucléaire qui fait tout de même sérieusement réfléchir un adversaire potentiel. Examinons, j'ai évoqué les risques. Eh bien, les risques sont, en fait, ils sont encadrés par des principes. Le premier principe, la dissuasion nucléaire est un dialogue. Un dialogue un peu spécial, j'en conviens, mais elle s'adresse à des États, et uniquement à des États. Elle n'a jamais été conçue pour s'adresser à des individus ou à des groupes terroristes. Et il faut bannir de notre esprit la théorie des chefs d'État irrationnels. Ça n'existe pas. Deuxième principe, la dissuasion nucléaire
ne désigne pas d'adversaire. Tout État susceptible de menacer ou d'exercer un chantage sur nos intérêts vitaux ou sur notre existence doit s'attendre à des dommages totalement inacceptables. Troisième principe, ça concerne les intérêts vitaux, justement. Bon, ils peuvent varier au gré des circonstances. Et il importe peut-être de ne pas les préciser outre mesure. Il ne s'agit pas non plus de faciliter le travail intellectuel d'un adversaire potentiel. En fait, il appartient au chef de l'État, seul garant de la mise en œuvre de la dissuasion, de les définir. Quatrième principe, peut-être le plus important, c'est que l'arme nucléaire est une arme d'une nature différente. C'est une arme essentiellement politique et exclusivement défensive. Il est absolument hors de question d'envisager l'emploi d'une arme nucléaire pour obtenir un succès militaire ou garantir une, ou gagner une bataille. Enfin, dernier principe, qui s'attache au volume et à la qualité de nos forces, qui s'appelle le principe de suffisance, selon lequel il importe d'être capable de délivrer des dommages absolument inacceptables à n'importe quel agresseur sans tenir compte d'équilibre, de force, ce qui n'a aucun sens lorsqu'il s'agit d'armes nucléaires. Et il faut que je vous dise un peu comment tout cela fonctionne. En fait, le secret, c'est la crédibilité d'un ensemble de doctrines, de missions et de moyens. Doctrine, je vous en ai rapidement parlé. Des missions, pour être crédibles, il faut qu'elles soient adaptées à l'environnement international. Alors aujourd'hui, il faut être capable de s'intéresser aux puissances majeures, susceptibles, parce que majeures, de s'en prendre à notre survie. Alors j'ai dit tout à l'heure que la dissuasion n'avait pas d'adversaire déclaré. Je vais quand même vous en citer un, le pays du vol à puc. Bon, ça c'est pour savoir si vous écoutez. Il faut également s'intéresser à des puissances émergentes, régionales, éventuellement dotées d'armes de destruction massive, susceptibles d'exercer un chantage sur nos intérêts vitaux, sans pour autant menacer notre survie. Alors là, il faut éviter de se trouver dans des situations de tout ou rien, hein, où le choix ne serait plus qu'entre l'anéantissement du pays en question et l'inaction de notre part. Autrement dit, il faut être doté de capacités suffisamment souples pour pouvoir cibler un certain nombre de centres de pouvoir politique, militaire, économique. Enfin, dernier aspect, il faut pouvoir s'intéresser également à des États qui se seraient mépris sur les contours de nos intérêts vitaux ou sur notre détermination à les défendre. À cela, il faut être capable de délivrer ce que l'on appelle un avertissement nucléaire. Alors, les moyens pour être crédibles, il faut qu'ils soient adaptés aux missions dont je viens d'évoquer à grands traits. Alors, c'est le cas. Nous disposons de deux composantes de force complémentaires, l'une sous-marine, que je connais bien, dotée de quatre sous-marins de ce type, triomphants, tout récents, quatre SNLE, qui ont dans leur ventre 16 gros missiles balistiques intercontinentaux. Ces sous-marins sont très très récents. Alors, quatre sous-marins pour permettre d'exercer, au moins d'être en mesure d'avoir en permanence, compte tenu des périodes d'entretien des sous-marins, d'avoir en permanence un sous-marin prêt au tir, et quelles que soient les circonstances, enfin, y compris dans les circonstances les plus difficiles. Alors, les patrouilles opérationnelles de dissuasion durent environ 70 jours, 2 mois et demi. Elles s'exercent dans la plus grande discrétion. Il s'agit de se diluer dans l'immensité des océans. Un exemple de discrétion concerne les transmissions radioélectriques
le sous-marin n'émet jamais. Enfin, sauf cas exceptionnel, où il y a des cas prévus, mais il reçoit en permanence des informations d'ordre opérationnel pour la conduite de la patrouille, des informations générales, des informations d'ordre personnel émanant des familles. Donc voilà pour ces patrouilles. La composante aérienne est dotée d'avions Rafale de l'armée de l'air et ou du porte-avions et dispose de missiles extrêmement véloces, enfin hyper véloces et précis. Pour conclure, je dirais que la dissuasion nous donne des droits au sens du TNP que j'ai évoqué tout à l'heure, mais elle nous donne également et surtout des devoirs. Alors notre pays est absolument irréprochable en matière d'application du principe de suffisance, dans la mesure où ces dernières années, il y a eu des réductions très sensibles de notre arsenal stratégique. Il est irréprochable dans la lutte contre la prolifération. Alors, le TNP, dans son article 6, évoque la disparition des armes nucléaires dans le cadre d'un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace. Nous en sommes loin. En attendant, les propositions d'un monde débarrassé des armes nucléaires, selon la formule de M. Obama, et uniquement des armes nucléaires, ne seraient pas, à mon avis, ne seraient certainement pas plus sûres que le monde actuel. En fait, la vraie question, c'est de savoir si la disparition des armes nucléaires représente en soi un gain net de sécurité pour la communauté internationale. J'en ai terminé, mais avant de vous quitter tout à fait, j'aimerais vous faire prendre connaissance de cette citation qui est extraite du général de Gaulle, qui est extraite d'une conférence de presse qui date de 1964. C'est pas d'hier, mais vous verrez dans ce style saisissant combien elle est actuelle, et mis à part peut-être le contexte de la guerre froide. Ça va pas très bien. Je vous remercie.